le remplaçant de Thiemo Comelié, anciennement gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, est désormais connu. Nommé vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Thiemo Comelié, anciennement gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, a cédé son fauteuil à Norbert Hoé. Vice-président, il y a environ deux semaines maintenant que le nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire, Thiemo Comelié, a quitté ses fonctions à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest. Lire aussi Côte d'Ivoire, Thiemo Comelié Kone, nommé vice-président de la République pour la succession de Thiemo Comelié, des noms ont circulé. C'est en définitive celui de Norbert Hoé qui a été retenu. Norbert Hoé est vice-gouverneur de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest depuis le 21 septembre 2018. Vice-gouverneur de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest depuis le 21 septembre 2018, Norbert Hoé assurera l'intérim du gouvernorat de l'institution jusqu'à la désignation du titulaire du poste. Biographie et cursus de nationalité burkinabé. Norbert Hoé a eu un cursus universitaire des plus remarquables. Après l'obtention de son baccalauréat série B, au lycée Wesin Koulibaly de Bobo-Dioulasso en 1975, M. Toé a poursuivi ses études supérieures et post-universitaires au Burkina Faso, au Cameroun et en France, couronné par un doctorat troisième cycle en économie monétaire, à l'université de Paris 9 Dauphine en 1983. De nationalité burkinabé, Norbert Hoé est entré au Fonds monétaire international, FMI, au bureau de l'administrateur la même année. Norbert Hoé est entré au Fonds monétaire international, FMI, au bureau de l'administrateur représentant 24 pays africains francophones et lusophones au conseil d'administration du FMI. Lire aussi développement économique, le FMI préoccupé par une hausse significative de l'inflation en Côte d'Ivoire en 2021 s'agissant de ses diplômes, en 1983, il a obtenu son doctorat en économie monétaire, à l'université Paris 9 Dauphine, Paris, France. En 1979, il a obtenu sa maîtrise en économie, analyse et politique économique, FDSE, à l'université de Yaoundé, Cameroun. En 1978, il a obtenu sa licence S Sciences économiques, à l'École supérieure de sciences économiques, ESSEC, Université de Ouagadougou, Haute-Volta.